personnel, oui, j'ai eu besoin de faire ce métier pour me sauver et pour exister. J'étais un enfant de terrain qu'on a caché longtemps quand il était bébé. Et comme tous les enfants, comme ça, encaissent tout ça et puis ça va ressortir. Je me suis dit, pourquoi tu veux être comédien comme ça? Oui, il y avait une raison aussi, c'est le jeu. Je n'aimais que jouer, en fait. Les études, je n'étais pas calé, je n'étais rien. Très difficile élève, je ne comprenais rien en mathématiques, rien, rien. Et je n'aimais que jouer. Et finalement, le métier que nous faisons, c'est quand même jouer. On oublie trop. Nous jouons, il joue bien, elle joue bien, ou elle ne joue pas bien. Mais c'est un jeu. Mais un jeu important parce que, à travers le personnage, des fois, on rencontre, c'est arrivé dans une version avec Grâce, de crier quelque chose de ma vie privée que j'ai pu impliquer dans le rôle du vice-consul qui boit et qui est fou amoureux de la femme de l'ambassadeur. J'ai crié, hurlé pendant toute l'après-midi à la radio et ensuite on a fait un film. Oui, ça c'est des moments, alors c'est plus du théâtre, c'est du psychodrame pour moi. Oui. Alors, cheveux faisant, on en vient un petit peu aussi à cette dimension que tu as au fur et à mesure exprimée et intégrée aussi dans ton travail de comédien. C'est ton rapport à la foi, ton rapport à des textes ou à des auteurs comme Claudel, Peggy, dont je te propose dans un moment de lire le joli texte qui figure dans le livre, qui s'appelle La Petite Espérance. C'est comment est-ce qu'on en vient, dans une carrière aussi riche et multiple que la tienne, à inscrire et à perdurer et à faire en sorte de finir par aussi dire et affirmer parler de sa foi. Oui, j'ai découvert la foi vers les 18, 19 ans, 20 ans, et je cherchais désespérément des gens qui en parlaient, et j'ai une amie de la famille qui m'a dit, quand je suis venu m'installer en France après la guerre, oui, il faut qu'il aille à l'atelier d'art sacré, rue Place du Saint-Père, là, la merveilleuse. Le merveilleux atelier de la croix. Et là, il y a des religieux et des artistes. Alors je suis allé et je suis tombé sur un père dominicain qui a fait une conférence sur l'art et la foi. Et ça m'a complètement bouleversé parce qu'on m'aurait dit qu'il répondait aux questions que je me posais. Alors j'ai eu lieu, moi très timide, d'aller le voir après et je lui ai dit, pardon monsieur, je ne savais pas qu'il fallait l'appeler mon père. Voilà, je commence à bafouiller. Il me dit, je ne peux pas te parler là, je suis très en retard. Appelle-moi au couvent Saint-Jacques et viens me voir si tu as besoin. Alors ça s'est fait comme ça, je l'ai appelé le lendemain. J'ai pris rendez-vous, je suis allé là-bas. Et je suis tombé dans ce couvent de dominicains, qui était vraiment un lieu de haute spiritualité, avec des pères comme le père Chenu, le père Conda, Maurice Sandel, qui venait faire des conférences. Enfin, il y avait une qualité, une spiritualité extrêmement forte. Alors il m'a dit, alors qu'est-ce que tu cherches? Alors, je bafouillais un peu, je voudrais quelque chose de grand, de beau. Enfin, alors au bout de 20 minutes de conversation, il me dit, je crois que c'est Dieu que tu cherches complètement. Et bien, il avait raison. Alors il m'a amené sur le chemin du baptême. Il a été baptisé quelques mois après. Alors donc, à partir de ce moment, la vie du Christ a pris beaucoup de place dans ma vie. Et j'ai eu évidemment une très grande émotion en jouant Claudel dans l'échange, par exemple. Et puis, oui, des pièces comme des filles, en effet. Je te propose de le dire si tu veux. Non, pas tout de suite. Et puis, j'avais vu, il y avait à l'époque une très belle pièce dont on avait fait un film des Américains, c'est-à-dire l'histoire de ce peuple de Sud-Amérique converti par les prêtres. Et tout d'un coup, on leur dit maintenant, il faut rentrer
dans le soir, on les a baptisés, il faut être avec eux. Les missions ? Oui, les missions. Oui, tout ça, c'est une pièce qui s'est jouée pendant plusieurs années. Et tout le monde discutait le coup, voulait savoir qui avait raison, ceux qui se sont révoltés et qui ont refusé de rentrer, et ceux qui ont préféré partir. Le film était avec Robert De Niro et Jérémy Aneron. Alors évidemment, ces textes-là qui m'a touché, qui m'a parlé le plus. Alors peu à peu, j'ai commencé à faire de la mise en scène et j'ai découvert le renouveau charismatique en 1987 et ça a été une grande libération pour moi. Alors, je confirme, mais on va revenir. Évidemment, ce contraste-là du regard sur le théâtre entre toi et Richard à Paris, maintenant, et en même temps, il y a le dialogue qui s'instaure entre toi et lui. Bon, lui n'est pas là ce soir, donc je ne peux pas parler en son nom. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous avez des trajectoires assez différentes, des passions communes, et vous avez tous les deux envie de parler de choses essentielles qui touchent à la vie, au travers des rôles que vous interprétez. Et toi, notamment, au cinéma et au théâtre, tu as eu des rôles assez particuliers, souvent de mauvaises personnes, pour ne pas dire de salauds, il y en a plein, ou alors on te retrouve en soutane, ou en habit de cardinal, ou de pasteur protestant, et en même temps, puisque tu as aussi interprété dans le film de Orson Welles. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une espèce de constance. Est-ce que quand tu joues ces personnages-là, tu les nourris, tu te renseignes sur eux, comment ça se passe? Ton travail sur le personnage, est-ce que c'est aussi simple que ça ou est-ce que... Mais non, il faut rendre vivant un texte, une proposition écrite sur le dialogue et tout ça. Alors il faut apprendre le dialogue et puis, en fait, l'imprégner. Accorder sa personne, faire une rencontre à peu près au milieu. Il ne faut pas que le comédien soit plus fort que le rôle, il ne faut pas que le rôle soit plus fort que le comédien. Il faut qu'il se marie bien dans le bon endroit. Mais toi qui cultives cette particularité d'improviser, comment arrives-tu à garder cet équilibre? Ce n'est pas toujours aussi facile, semble-t-il, ici. Oui, le jour où Daniel Patachova a ouvert un cours d'improvisation, alors là, j'ai commencé à me lancer. Et j'ai improvisé avec une facilité qui était jouissive. J'étais fou de joie. Alors, j'ai gardé le plaisir le plus fort dans ce métier, c'est l'improvisation. C'est pas d'avoir appris un truc, répété, décidé, que ça allait être comme ça et pas autrement. Non. Je laisse la place à l'inconnu. Et c'est ce qui est arrivé dans ce film que vous avez sans doute vu, Les Hommes et les Dieux, avec la petite Algérienne, le frère Luc, et sollicité pour lui expliquer ce que c'est. C'est une petite Algérienne dont le père veut la marier, un bonhomme qu'elle connaît même pas. Et elle a besoin de poser des questions. Elle pose à ce frère Luc que j'ai incarné. Mais l'amour, c'est quoi? Comment ça se passe? Que faut-il? Etc. Et en scène, le réalisateur m'a écrit, j'ai fait un truc que j'aime pas, est-ce que tu peux improviser? J'ai dit, je peux essayer toujours, mais je te garantis de rien. Allez, je me suis lancé. Alors la petite posait en effet des questions, mais c'est quoi l'amour? Comment ça se vit? Etc. Et les réponses me sont venues comme ça. Je n'ai pas cherché une seconde à comment je peux dire, qu'est-ce qu'il faut dire. Et je croyais parler au nom du frère Luc. Je ne pense pas qu'il aurait désapprouvé ce que j'ai pu dire. Parce que lui-même avait été marié. Il y avait plusieurs femmes dans cette vie, c'est ça. Puis comme je dis, j'ai trouvé un amour dans la religion encore plus grand. Alors justement, comment est-ce que ce film qui a marqué quand même ta carrière, il y en a eu d'autres, il y a eu Moonraker, il y a eu Gaston dont vous parlez, il y a eu aussi évidemment l'incontournable L'Homme de la Rose, mais ce film quand même a des accents particuliers, des hommes et des dieux.
C'est un film qui est plus qu'un tournant pour toi, c'est... Ben, pour moi, c'est l'accomplissement exemplaire de ce que le Christ nous demande. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et...